On me rappelait tout à l'heure cette belle tradition qu'ont les orthodoxes le dimanche de Pâques, où le prêtre sort sur le parvis de l'église et crie « Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». Et les paroissiens répondent « Il est vraiment ressuscité ». Alors, comme nous sommes plutôt de tradition zwinglienne, je ne vais pas vous demander de faire cet exercice, mais de garder tout au long de notre culte cette vérité-là qui nous est donnée. Ce matin, le soleil s'est levé. Généralement, on dit qu'à Pâques, il fait gris et il pleut, mais ce matin n'est pas un jour comme les autres. Ce matin, et ce soleil va donner sa couleur d'espérance à tous les autres matins. L'inconcevable a eu lieu. La pierre n'a pas rempli son office. Je dis la pierre parce que le tombeau dans lequel était Jésus était bouché par une pierre. Cette pierre est définitivement roulée par la résurrection du Christ. Pour nous, cette pierre témoigne l'impossible, que l'impossible n'existe pas. Par elle, il nous est donné de croire que nos existences, à chacun de nous, nos existences, quelles qu'elles soient, peuvent se remettre debout. S'il nous arrive parfois de plier le genou à cause d'une histoire, nous pouvons nous risquer à ce que nous sommes, c'est-à-dire des marcheurs, des aventuriers. Et être un aventurier, c'est pas être je ne sais quel héros. Être un aventurier, c'est déjà ouvrir la porte de sa maison pour sortir dans la rue. À Saint-Gall, c'est devenu même dangereux certains soirs. Nous pouvons nous risquer à devenir ce que nous sommes. Christ est ressuscité. Pâques, c'est un jour de lumière, c'est un jour de passage. Dieu passe parmi nous pour nous dire que désormais la vie est pour nous. Alors, je voudrais vous souhaiter une joyeuse Pâque. Ce matin, Seigneur, nous cueillons auprès de toi l'espérance pour trouver la joie, cette joie qui se lève, qui se maintient au milieu des doutes et des peurs pour recevoir de toi la vie. Cette vie que rien ne peut écraser, même pas le fardeau de la mort. Nous voici donc, Seigneur, pour te regarder à l'œuvre. Toi, notre Dieu, dont l'unique travail, l'unique occupation depuis le commencement consiste à relever la vie pour l'éternité. Merci, Seigneur, pour la joie de Pâques, cette joie que tu as plantée dans la terre de notre foi, que ta parole réveille en nous aujourd'hui ce qui est retenu dans la mort. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Thank you.
Comme vous l'avez deviné, nous ne pouvons pas chanter à tue-tête, mais nous pouvons chanter avec notre cœur, puisque la pierre n'a pas été encore roulée pour cette pandémie. Le Christ est ressuscité, il fait du neuf dans les vies, il nous invite à vivre de confiance et à l'exprimer, et au matin de Pâques, Jésus est établi pour toujours dans sa fonction de veilleur de vie. Par son évangile, il arrache la vie des hommes et des femmes à la médiocrité et l'élargit aux dimensions imaginées par Dieu. Par son corps et son sang donné, il révèle que la vie n'a de sens que dans le dépassement extrême de l'amour. Par sa croix dressée, il maintient debout la vie de ceux qui sont crucifiés par le malheur ou le désespoir. Par sa résurrection, c'est l'humanité de tous les temps qui est conduite dans la vie. Nous l'affirmons, nous le croyons, dès lors nous prenons sa suite et nous devenons à notre tour sur cette race les veilleurs de la vie. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Nous sommes les veilleurs de la vie. Il nous revient par obligation de foi de veiller de toutes les manières à la vie de ceux qui attendent de nous une parole pour vivre, ceux qui attendent du pain pour vivre, ceux qui attendent de l'espérance pour vivre. Nous le croyons, c'est notre foi et c'est aussi notre engagement. Amen. Le passage Pâques, et même lorsque nous vivons de cette résurrection, il nous arrive parfois dans la vie de trébucher sur nous-mêmes. Il nous arrive de sentir le doute, la honte ou la solitude qui nous dévore. Et nous posons la question, où es-tu ? Lorsque le malheur tombe sur un proche, un ami, un enfant, nous posons toujours la question, où es-tu ? Nous cherchons, Seigneur, ta voix, qui est parfois silencieuse, plus silencieuse qu'un souffle. Écoute la bonne nouvelle qui éclate aujourd'hui. Le Fils de Dieu a donné sa vie pour toi, pour moi. Dieu notre Père accepte de tout donner, de tout effacer, de tout recueillir, pour que nous renaissions de nos déprimes, de nos abandons, pour que le monde s'arrache à ses fatalités. Ce Seigneur qui est de passage et qui nous rejoint sur les chemins de notre propre vie, nous dit, écoute le murmure, écoute les syllabes qui deviennent mots, écoute l'espérance qui se pose sur tes épaules.
ne crains rien, n'ayez pas peur. Amen. En ce dimanche de Pâques, nous allons maintenant confesser notre foi. C'est une manière de dire, de poser les contours, ce vers quoi, cet horizon vers lequel nous tendons, et je vous invite à vous lever pour cela. Le Christ ressuscité fait du neuf dans les vies. Il nous invite à vivre de confiance et à l'exprimer. Au matin de Pâques, Jésus est établi pour toujours comme veilleur de la vie. Nous l'affirmons, nous le croyons, nous prenons sa suite et nous devenons notre tour sur ses traces aussi les veilleurs de la vie. Il nous revient d'être les témoins de sa parole. Il nous revient d'être le soleil de cette humanité, de ceux qui attendent une parole pour vivre, nous la proclamerons. De ceux qui attendent du pain pour vivre, nous leur donnerons. De ceux qui attendent de l'espérance pour vivre, nous le croyons. C'est notre foi, c'est notre engagement. C'est le Seigneur qui nous accompagne sur les chemins de la vie, les chemins de l'espérance, les chemins de la résurrection. Amen. Je vous invite à la prière avant d'ouvrir les Écritures.
Notre Père, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés souvent défaillantes ou rebelles. Que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles, car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint. Ressuscite les Écritures pour qu'elles soient paroles de vie pour nous à jamais. Amen. Évangile selon Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit : Que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, « Que la paix soit avec vous. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que, par cette foi, vous ayez la vie en son nom, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples était fermé. La première réaction que j'ai eue en relisant ce texte que vous avez chaque année presque entendu à cette période-ci, je me suis dit, c'est une drôle de coïncidence. Ces disciples sont enfermés, confinés dans une pièce, coupés du monde extérieur. C'est étrange, ça ressemble beaucoup à ce que nous vivons, ou certains d'entre nous vivent. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens se confinent, c'est-à-dire qu'ils ferment leurs portes
au monde, parce qu'ils ont peur du monde, parce qu'ils ont peur de la mort. Et ils ont bien raison, moi aussi j'ai peur de la mort. Nous avons tous peur de la mort, à un moment ou à un autre, parce que c'est une inconnue, parce que c'est quelque chose d'étrange. Alors nous avons besoin de certitude. Je n'ouvrirai pas ma porte tant que je n'ai pas vu le vaccin Pfizer faire son action nécessaire. Je n'ouvrirai pas ma porte parce que je ne veux pas que la vie s'arrête. Et c'est normal. Ça veut dire que la vie que nous avons vécue, chacun, vaut la peine d'être vécue. Que cette vie que nous avons reçue est une vie qui a du prix. C'est la question biologique de la fragilité de notre corps. Et nous avons besoin d'un deuxième vaccin qui a besoin même pas de piqûres. Ce vaccin, c'est la certitude que le Christ est ressuscité. Et nous devenons souvent comme Thomas. J'ai besoin de voir. Alors, je vous invite à regarder de plus près ce personnage qu'est Thomas. La peur suite aux derniers événements, les derniers événements, c'était la crucifixion de Jésus. Thomas est doublement enfermé dans son incompréhension, comme les autres, mais aussi dans sa souffrance et dans sa révolte. C'est ce que j'ai entendu dans le procès qui est fait aujourd'hui à ce policier aux États-Unis suite à la mort d'un certain Floyd, une jeune pompière qui disait qu'il passait là, elle voyait qu'il se passait quelque chose de critique et elle disait c'est une souffrance à la fois de dire laissez-moi intervenir et la révolte parce qu'on l'empêche d'intervenir. Elle ne veut pas savoir si, qui a raison, qui a tort, mais il se passe quelque chose sous ses yeux et il y a ce double sentiment à la fois de la souffrance et de la révolte. Thomas, surnommé Didyme, c'est-à-dire jumeau en grec, mais on ne sait pas de qui il est le jumeau. Chez Jean, la figure du disciple qui, depuis le début, est celui qui signifie qu'il est prêt à risquer sa propre vie. Alors nous aussi mourons avec Jésus, dit l'évangéliste Jean. Celui qui a mis ses pas dans ceux de Jésus et tente de le suivre à tout prix, jusqu'à donner sa vie, et Thomas, le jumeau, celui qui aurait voulu peut-être ressembler en tout point à celui qu'il aimait. Et c'est peut-être là l'explication de Didyme, le jumeau. Souvent, nous aussi, nous avons envie de ressembler à ce que nous aimons. Quand nous sommes petits, nous voulons ressembler à nos parents, à notre mère, à notre père, parce qu'ils sont invincibles, parce qu'ils ont une force, parce qu'ils nous rassurent. Si tel est le cas, on peut alors aisément imaginer quelle est la nature des verrous qui tiennent Thomas, le disciple enfermé. Contrairement à ce que l'on dit souvent, ce n'est pas, je crois, l'incrédulité, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est de la souffrance chez lui et de la révolte. Thomas ne comprend pas. Ni l'angoisse de Jésus, ni la trahison, ni le procès bâclé, ni la croix au bout du chemin, Thomas ne comprend pas pourquoi Dieu a laissé faire cela. Pourquoi le Christ devait-il mourir? Pourquoi la mort? Pourquoi l'injustice? Pourquoi la souffrance?
Et il cherche, mais il ne trouve pas, il ne comprend pas. Et le voici enfermé dans cette révolte contre le mal que nous connaissons si bien. Il n'y a pas d'explication à la souffrance, et c'est insupportable. Ce serait tellement plus facile si l'on pouvait trouver une raison, un coupable, une origine. Pour la pandémie, là, actuellement, on a dit, ah, c'est le virus chinois. C'est tellement facile. On cherche une explication qui nous rassure, mais parfois, elle nous rassure à bon marché. Si Dieu existait, il ne permettrait pas. Vous avez sûrement déjà entendu cela à un moment ou à un autre de votre vie dans une rencontre. Et je crois que Thomas est sans doute déprimé. Il s'enferme dans sa révolte. Il refuse le réconfort que lui apporterait peut-être la compagnie des autres disciples. Il n'est pas avec eux le soir de Pâques. Il n'entend pas durant toute une semaine les paroles d'espérance que les autres tentent de partager avec lui. Mais si, il est vivant, ils l'ont vu, il est ressuscité. Thomas ne doute pas, il souffre, il s'enferme et tourne en rond dans cette souffrance au point de lancer un défi à Dieu. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mes doigts dans son côté, je ne croirai pas. Qu'il est difficile de partager sa foi avec quelqu'un qui souffre. On est bien impuissant. Je ne sais pas si vous déjà avez vécu cette situation. Quelqu'un que vous voulez accompagner, soutenir, relever, et nous sommes impuissants. Parce que sa souffrance, sa révolte est telle qu'il n'est plus en capacité d'entendre. Et souvent, c'est une source d'incompréhension d'ailleurs. Si Dieu existait, il ne permettrait pas les tremblements de terre, les maladies. Et la foi est rejetée parce qu'elle semble inefficace. On cherche une sorte de clé magique qui permettrait d'ouvrir les portes de nos vies enfermées. Souvent dans nos vies, vous aurez cette impression de buter sur quelque chose qui vous contrarie, vous empêche d'avancer, une sorte ou une porte qui surgit et qui se claque sous votre nez. Ça peut être un échec scolaire, ça peut être un échec professionnel, ça peut être une rupture affective, une tuile, un accident. J'espère qu'à ce moment déjà, vous aurez autour de vous des gens avec qui être. Malgré tout, comme Thomas, malgré son incrédulité, entre guillemets, est avec les disciples. Et l'expérience que fait Thomas et que les autres disciples ont fait avant lui est celle de ce Dieu qui le rejoint justement au cœur de son enfermement. Portant encore la trace des clous et des déchirements, le Christ vient à sa rencontre, malgré tous les verrous. Il le rejoint dans sa révolte, dans sa souffrance. Il lui parle, le seul langage qu'il peut encore entendre. Et les portes sont toujours fermées, la croix n'est pas effacée, mais au contraire. La souffrance et la révolte de Thomas ne sont pas balayées d'un revers d'espérance facile. Ce jour-là, Thomas découvre que Dieu ne lui apporte pas de clé magique qui lui permettrait de vaincre son enfermement. Ce jour-là, Thomas découvre que Dieu le rejoint justement là où il est. En Jésus-Christ, il découvre un Dieu qui souffre avec lui, qui ne se laisse pas enfermer à son tour. C'est un Dieu passe-muraille, qui ne s'encombre ni de codes, ni de clés, mais qui prend et donne la liberté à ceux qui emboîtent son pas. Ce jour-là, Thomas
se laisse rejoindre par le Dieu de Pâques, celui qui de tout temps ouvre un passage à travers la mer Rouge, au milieu du désert pour le peuple juif et au cœur même de la mort aujourd'hui. La foi qu'il confesse alors en disant « Mon Seigneur, mon Dieu », c'est la confession de foi de Thomas à la fin de cette rencontre avec Jésus et la trace du verrou qui vient de sauter, de la vie qui vient de couler. Que la grâce nous soit faite à nous tous de nous laisser rejoindre par ce Dieu-là. Et dans ce texte aussi, ce qui est frappant pour les disciples comme pour Thomas, c'est cette découverte de ce Dieu de Pâques. C'est à la fois un relèvement, mais aussi un envoi en mission. Un envoi en mission, une invitation au témoignage. Celui qui a écrit l'Évangile se risque même à dévoiler la raison de son récit. Et l'évangéliste dit « Ces signes ont été rapportés dans ce livre afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. » Comme si lorsque le verrou saute, que la porte s'ouvre, on ne pouvait pas faire autrement que sortir à la rencontre des autres. Le Dieu du passage est un Dieu qui entraîne à sa suite. Il n'enlève aucune porte sur le chemin. Il ne vous évite ni les enfermements, ni les claquements, ni les révoltes, mais il nous donne la liberté de vivre autrement que simplement enfermé entre deux portes. La liberté et la grâce de la présence du Christ dans nos vies ne suppriment pas les verrous. Lorsque Jésus sort à la rencontre de ces femmes qui sont venues voir un mort, et la première parole qu'il dit, la première parole du ressuscité, c'est « N'ayez pas peur ». Il ne dit pas « Vous êtes bêtes d'avoir peur ». Mais il prend en considération la peur de ces femmes. « N'ayez pas peur ». C'est comme quelqu'un qui vient vers vous chargé et que vous dites, vous voulez un coup de main et vous lui enlevez le fardeau qui pèse sur ses épaules. Vous ne vous demandez pas pourquoi ils portent ces fardeaux. Jésus ne demande pas pourquoi elles ont peur, ces femmes, mais il leur dit simplement cette parole d'espérance, « N'ayez pas peur ». C'est une parole qui nous est donnée à chacun. Là où on est, lorsque vous êtes en face d'une épreuve, d'une porte qui est fermée que vous voulez ouvrir, n'ayez pas peur de l'ouvrir. Le Dieu du passage est là, c'est une certitude. La paix soit avec vous, nous dit le Christ. Parce que derrière toutes ces portes fermées, il y a des vies. C'est le Christ lui-même qui se tient et qui frappe à cette porte, en attendant qu'on lui ouvre aussi simplement que Thomas qui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Le Dieu de Pâques, vous le redis encore aujourd'hui, on n'enferme pas, on ne confine pas la parole de vie dans une tombe. Il n'est que de passage, comme nous ne sommes que de passage. Mais notre horizon, c'est la vie au-delà de la vie. Amen. Pour terminer, on arrive à la fin de ce culte, je voudrais vous faire écouter, réécouter une fois de plus un cantique qu'on a déjà entendu ici même, c'était je crois à Noël, comme
Pâques, c'est des moments importants. C'est un chant qui a été chanté dans une église en Afrique du Sud. Siyahamba, c'est le titre en Zoulou. Et donc, il le chante comme c'est une communauté multiculturelle où tout le monde se retrouvait pour chanter. On entendra chanter en Zoulou et en anglais pour ceux qui ont quelques notions d'anglais. Vous verrez que ça correspond exactement à ce soleil qui vient vous caresser aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne parlent pas Zoulou ou anglais, quand même, il ne faut pas qu'il y ait des frustrations, nous marchons sous la lumière de Dieu. C'est le refrain qui revient constamment, une fois en Zoulou, une fois en anglais. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Dans l'évangile de Jean, le premier mot du ressuscité est « shalom ». Ce « shalom » n'est pas une simple salutation, un simple « bonjour », mais il dit « la paix ». Il est la paix. Alors, partons maintenant avec cette parole de bénédiction. Oui, que la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, garde nos pensées en Jésus le Christ, ressuscité ce matin pour nous tous et pour l'éternité. Amen. Pour ceux qui souhaitent, la prédication est à la sortie aussi.